Québec a dévoilé les détails de son plan Nord aujourd'hui. Le territoire du plan Nord, c'est le Nunavik, la baie James, la partie nord du lac Saint-Jean et aussi une grande partie de la côte nord. En fait, c'est 72 % de toute la superficie du Québec, 1 100 000 km². Pour en parler et pour parler du plan Nord présenté par le premier ministre Charest aujourd'hui, notre invité est Marc Urbain Proulx, professeur titulaire en économie régionale à l'Université du Québec à Chicoutimi, qu'on retrouve dans nos studios de Saguenay. Bonsoir, Monsieur Proulx. Oui, bonsoir, M. Filion. On a dit que c'était le projet d'une génération aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle baie James pour le Québec? Oui, on peut parler d'une nouvelle baie James. Je pense que ça va être d'ailleurs davantage que la baie James. Si le plan peut se réaliser au complet, c'est quand même un plan sur 25 ans, largement dépendant du marché mondial, parce que la véritable impulsion pour le nord du Québec, c'est pas le plan, mais bien le marché mondial que le plan offre des conditions, quoi. Est-ce que vous croyez, en disant cela, que le gouvernement spécule un peu sur la hausse des prix des métaux, qui a été complètement phénoménale au cours des dernières années? Oui, bien, il y a un peu de spéculation, mais je pense que les prix vont demeurer aussi assez relativement élevés, étant donné la demande des pays émergents. On en nomme quatre d'habitude, des pays émergents, mais il y en a d'autres qui vont émerger aussi, comme l'Indonésie, par exemple, ou la Thaïlande, la Turquie, qui vont venir prendre le relais de la Chine, l'Inde et le Brésil actuellement. Alors, la demande devrait être au rendez-vous au cours des 25 prochaines années, mais comme vous le savez, Monsieur Filion, il y a des fluctuations, il y a des rebonds, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'économie mondiale. On l'a vu en 2008. Alors, sans spéculer, il demeure qu'il y a quand même un bon nombre d'incertitudes. Oui, et Nature Québec disait aujourd'hui que dans le fond, tout ce que ça sert, c'est le boom minier. Ça sert les entreprises privées. On va fabriquer des infrastructures, on va fabriquer des routes, mais essentiellement pour amener l'entreprise privée dans la mine et profiter justement des minerais. Bien, c'est certain que c'est un plan très orienté sur la croissance économique à partir de l'extraction minière, c'est pas un plan très orienté sur le développement. C'est là probablement le flou et l'incertitude qu'on pourrait soulever aux téléspectateurs, c'est que nous restons dans, on ne sait pas exactement comment on va pouvoir au Québec collecter une partie de la rente minière qui va être générée par l'extraction minière et comment on va favoriser le développement du Nord autrement que par des transferts de fonds à des populations par des mesures sociales. Quoi. On dit 14 milliards sur 80 milliards qui iront au gouvernement. Est-ce que c'est crédible et est-ce que c'est assez? Il faudra voir. Nous n'avons pas encore la loi sur les mines. Elle est en projet. Et c'est la loi sur les mines qui va justement déterminer l'équilibre, c'est-à-dire la part que le Québec pourra soutirer. Évidemment, il y a un débat au Québec sur cette loi sur les mines. Certains avancent que ce serait une taxe ou un impôt sur la profitabilité des entreprises. D'autres préfèrent avancer l'idée de collecter des redevances sur la valeur à la livraison. Ça paraîtrait. Ouais. Alors, à ce moment-là, la valeur à livraison serait beaucoup plus sûre que le Québec obtienne la juste mesure de la valeur, en fait, du minerai. Et il y a une part d'actionnariat également. Investissement Québec va s'impliquer dans les projets. On donne le mandat d'Investissement Québec de s'impliquer dans le projet. Est-ce que ça, c'est une première? C'est intéressant, à votre avis? Oui, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. On verra dans la réalité. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est ce qui se dessine actuellement à l'échelle mondiale. Les gouvernements, les collectivités locales prennent des parts, deviennent partenaires avec les grandes entreprises pour s'assurer d'un meilleur contrôle et s'assurer aussi de tirer une juste part de la rente qui est générée par l'activité minière en question. 3 000 des 3 500 mégawatts dont on parle dans le projet, ça, c'est pour de l'hydroélectricité. On a l'impression qu'on va continuer à faire ce qu'on connaît déjà en quelque sorte. Hein? En termes de projet d'énergie renouvelable, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà, alors qu'il y a des gens qui doutent de la rentabilité même de la Romaine présentement. Oui, mais c'est pas évident actuellement, M. Filion, de déterminer exactement la rentabilité de la Romaine ou de futurs projets. On l'a vu avec la baie James, notamment dans les années 70, à cause des fluctuations du marché nord-américain et du marché mondial de l'énergie. Actuellement, avec le gaz de schiste, on assiste à un effondrement des prix, ou du moins, les prix sont moins en explosion qu'ils étaient il y a 2 ans, 3 ans, mais ça peut revenir, il peut y avoir toutes sortes de phénomènes qui influencent la conjoncture. Donc,
C'est difficile de déterminer actuellement la rentabilité exacte des futurs projets hydroélectriques. Une chose qui est certaine, c'est une belle énergie propre. Et puis, nous avons un potentiel relativement important dans le nord du Québec et nous avons la technologie au Québec pour bien développer ces projets dont les profits restent au Québec grâce à Hydro-Québec. Les Premières Nations se révèlent incontournables, bien sûr, dans ce dossier-là. Les Cris sont pour, les Inuits hésitent, ne sentent pas qu'ils font partie prenante du projet. Est-ce qu'on peut penser que le plan Nord est compromis si les Inuits n'embarquent pas? Je ne crois pas que le plan Nord soit compromis si les Inuits n'embarquent pas. Les Cris vont peut-être réagir de différentes façons au fil du temps. Une chose qui est certaine, c'est que là, nous n'avons pas de partenariat très bien ficelé, très sûr. Alors, cette question-là reste aussi... Là aussi, il y a du flou, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup de flou, hein, finalement? Ben, il y a beaucoup de flou, oui. C'est un plan qui est très bien fait, techniquement bien fait. On a fait une vaste consultation, on a des échéanciers, on a des coûts. C'est quand même relativement bien fait comme opération. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de flou, M. Filion. À suivre, en tout cas. Merci beaucoup, M. Proulx. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.